Bonjour à tous, c'est Monsieur Flex et aujourd'hui je teste la Gotway M Super 3. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai déjà testé une Gotway, c'est la Gotway Monster. Celle-ci c'est donc la M Super 3 avec une petite roue, une roue de 18 pouces. Quasiment autant de puissance. Je vais afficher toutes les stats des modèles différents qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, donc vous avez plusieurs modèles de M Super 3 avec des prix forcément qui augmentent en fonction de la capacité de la batterie et de la puissance du moteur. Donc ça c'est pour ce qui est de cette roue. Voilà, donc plusieurs modèles avec plusieurs coloris. Donc là c'est pareil, je vais les afficher, je ne les ai pas tous en tête. Je sais que donc, vous avez le noir et rouge mat comme ça, mais il y a aussi un modèle noir brillant et il me semble qu'il y a même un modèle blanc. En ce qui concerne du design, je trouve que c'est plutôt classe. Voilà, c'est pas non plus ultra chiadé. Le plastique fait vraiment un peu toc, quoi, c'est très fragile. Et ce qui me gêne le plus sur ces roues-là, c'est les vis apparentes. Je trouve que ça fait une finition pas fou quoi. Donc là vous avez les gros trous pour les vis, les petites vis qui sont là. Voilà, vous me direz c'est pratique pour la démonter, mais c'est pas fou. Et vous voyez, donc là j'ai un modèle qu'on m'a prêté d'occasion. Donc c'est Irou, je remercie Irou qui m'a prêté. Donc il a quelques petits coups, mais c'est pas cassé. Quelque chose qui est super agréable, c'est la mousse qu'il y a ici. Donc elle est très très molle, donc elle est très confortable. Vous aurez quasiment pas de douleur aux jambes, voire pas du tout. Et les petites pédales avec un grip donc qui adhère vachement bien aux pieds, et ça c'est plutôt pratique. Voilà, concernant les LED, il n'y en a aucune. Ce que je vois, vous avez de quoi charger la roue, là de quoi charger par exemple le téléphone, le bouton pour l'allumer et l'éteindre, les feux arrière et le feu avant. Donc ça c'est toujours pratique. Et vous avez ce qu'on appelle un trolley, donc bien caché, bien intégré, je trouve. Avec ça, les amis, tac, je peux transporter ma roue quand il n'y a plus trop de batterie. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, très très bonne roue, franchement c'est une roue que je vous recommande si vous voulez de l'autonomie, de la vitesse, un confort de glisse inégalé. Franchement c'est du top, si j'avais les moyens c'est celle-ci que je prendrais. Voilà, les premiers prix je vais les afficher parce que ça évolue tout le temps. Donc là j'affiche les prix de 10 roues puisque c'est eux qui m'ont gentiment prêté cette roue. Donc je les remercie encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt, salut !